Sorti en 1989, tout d'abord en salle d'arcade sur le système 1 de Capcom, ou CPS1 pour les plus intimes, Final Fight sera ensuite porté sur les différents supports comme la Super Nintendo, l'Amiga ou encore la Game Boy Advance pour ne citer que cela. Et c'est donc en 2005 que l'éditeur regroupait ses plus grands hits sortis en salle d'arcade, pour les plus nostalgiques, dans une compilation sortie sur PS2 appelée Capcom Classic Collection, et qui se composera de deux volumes. Celui qui nous intéressera dans cette rétroview sera le premier, qui accueillera pas moins de 22 titres, et comme vous l'aurez compris, nous nous pencherons sur le légendaire Beat'em All des années fin 80. Pour la petite histoire, le titre devait s'appeler normalement Street Fighter 2, mais n'ayant aucune similitude avec le jeu de baston ni au niveau du gameplay, ni au niveau de la conception, Capcom décida de rebaptiser le jeu juste avant sa sortie avec un titre accrocheur dans le nom de Final Fight. La storyline se passera à Metro City, ville connue comme étant une capitale dangereuse et violente, le paradis des bandits et truands appartenant au gang des Mad Gear, qui imposent leurs lois par la violence et par des crimes en tout genre. Et c'est là qu'agarre l'un des protagonistes du jeu, élu depuis peu nouveau maire de la ville et qui essaiera de mettre fin à toutes ces années de terreur et d'instaurer un climat de sécurité pour ses habitants, mais qui ne se fera pas sans conséquence puisqu'il recevra aussitôt un coup de fil d'un des sous-fifres de l'organisation criminelle, lui informant que sa fille Jessica a été kidnappée et qu'elle lui sera rendue à condition qu'il accepte de se soumettre et de collaborer avec le cartel. Non loin de là, la nouvelle arrive aux oreilles de Cody, autre protagoniste spécialiste des arts martiaux et ami d'enfance de la jeune fille, qui sans la moindre hésitation décide d'aller la secourir coûte que coûte de la horde des malfrats. C'est alors que son ami Guy et Mike Hagar se proposent de l'accompagner et de mettre à disposition leurs compétences afin de l'aider dans cette aventure kamikaze. Arrivé sur la page du caractère select, vous aurez le choix entre les trois personnages cités auparavant, chacun ayant leurs propres compétences. Guy, qui pratique également les arts martiaux, est un spécialiste de ninjutsu dans l'une des branches des arts de ninja. Celui-ci sera très habile et rapide, mais moins résistant que ses deux amis. Hagar, qui en imposera par sa carrure à l'écran mais qui sera lent dans ses déplacements, n'est pas seulement maire de Metro City, il possède aussi des compétences en prise de soumission, puisqu'avant sa conversion dans la politique, il était champion de combat de rue. Quant à Cody, il préférera se servir de ses poings en bon lutteur, et il sera aussi un spécialiste du maniement de l'arme blanche. Ce dernier sera à mon sens un bon compromis entre les deux autres personnages, puisqu'il sera plus résistant que Guy, mais également plus rapide qu'Hagar. Graphiquement, la taille des personnages jouables sont énormes et très charismatiques. Les différentes palettes de couleurs employées sont idéales et attirent tout de suite l'œil. Il en est tout aussi vrai pour les différents ennemis, même si certains ont été recyclés avec d'autres coloris, afin que le joueur puisse différencier leur niveau de difficulté et de vie. La plupart d'entre eux seront très bien animés. Par contre, d'autres paraîtront plus rigides, comme le cas d'Andor par exemple. Tout comme les personnages, les arrière-plans n'ont pas été oubliés, et Capcom nous fera découvrir les différents quartiers de Metro City, tout en passant par les rues malfamées de la ville, ou bien par le biais d'une rame de métro en mouvement, pour atteindre la région suivante. Ou encore, on pourra se bastonner dans une zone limitée d'un mont de charge d'un immeuble industriel. Mais le plus bluffant reste tout de même l'animation, puisque le jeu demeure fluide et ne ralentit pratiquement jamais, même avec un nombre impressionnant de sprites qui apparaissent simultanément à l'écran. La prouesse technique était vraiment de taille, et encore aujourd'hui, on ne peut que rester admiratif d'avoir un tel résultat. Du côté du gameplay, on pourra jouer en coop avec un ami. Ensuite, le jeu proposera une difficulté croissante pour que tout le monde y trouve son compte, et on ne pourra pas faire plus simple au niveau des touches. Il y aura un bouton pour distribuer des patates et l'autre pour sauter. En appuyant sur les deux boutons en même temps, on pourra déclencher une attaque spéciale qui nous rendra bien service et nous sortira de situations délicates. Et comme il n'y a pas d'omelette sans casser deux, le prix à payer pour cette super attaque amputera une petite partie de votre barre de vie. Donc, à ne pas en abuser et à n'utiliser qu'en dernier recours. Il sera aussi possible de projeter un ennemi vers ses comparses et de faire d'une pierre deux coups. On aura l'occasion par moment de ramasser tout type d'armes, comme des tuyaux, poignards ou katanas en cassant les objets destructibles. Ou encore, on pourra se servir de ceux que certains adversaires laisseront tomber. Le jeu nous proposera de régénérer notre barre de vie en ramassant les différents burgers ou poulets rôtis pour essayer de venir à bout des 6 niveaux proposés et où chaque fin de niveau sera gardée par des boss plus redoutables les uns que les autres, en passant du gros loubar loser au puissant samouraï. Les bonus stages n'ont pas été oubliés puisqu'il sera possible d'exploser une pauvre voiture ou encore de briser des vitres. Le titre n'est pas seulement un plaisir pour les yeux, il est également une douce mélodie pour les oreilles. Si les différents bruitages seront très réussis pour nous plonger complètement dans le jeu,
C'est surtout au niveau des musiques que la bande-son tire son épingle du jeu, dont les partitions sont tout simplement entraînantes. Capcom, fidèle à lui-même, a su une fois de plus montrer son savoir-faire en la matière, puisqu'ils ont été capables de nous empiler des mélodies rythmées qui resteront gravées dans la tête. Jugez plutôt par vous-même. Et pour conclure, Final Fight n'était pas le premier beat'em all célèbre et n'était pas non plus le plus abouti. Mais il avait le mérite d'aller droit au but, par sa simplicité, par son efficacité, par son ambiance, et malheureusement, sur console 16 bytes, il aura souffert de l'énorme popularité de son concurrent Street of Rage, plus abouti bien que très inspiré du jeu de Capcom. Toutefois, la difficulté du soft reste encore un sacré challenge, et encore aujourd'hui, seulement une poignée de joueurs sont capables de le finir en un seul crédit. Mais pour les joueurs moyens comme moi, qui veulent passer un bon moment, c'est un vrai régal de se replonger dans ce titre mythique et de corriger de la racaille tout en s'éclatant. Voilà les amis, j'espère que cette rétro-vue vous aura plu, et si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire qui fait toujours plaisir, et pour avoir aussi une idée de votre ressenti, de vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît, d'activer la petite cloche de notification, comme ça vous ne raterez pas d'autres vidéos, ou encore de la partager. A bientôt les justiciers et amis nostalgiques.